article, c'est une suite de différentes transformations thermodynamiques qui aboutit à avoir un état final identique à l'état initial. C'est donc une transformation cyclique lorsqu'on met toutes ces transformations bout à bout. On parle de cycle parce que la plupart des machines thermodynamiques vont faire subir des transformations à un fluide qui va en fin de compte réaliser un cycle à l'intérieur de l'installation. On a un cycle de référence qui correspond au cycle idéal vers lequel on voudrait s'approcher dans tout type de machine, c'est le cycle qu'on appelle le cycle de Carnot. Alors, le cycle de Carnot porte ce nom dû au nom de son inventeur, Sadi Carnot. C'est un ingénieur français qui a écrit un livre dans son jeune âge. Il a écrit un seul livre, mais il est mort relativement jeune, et en 1824, il a publié un livre dans lequel il présente ce cycle. Alors, ce cycle est vraiment remarquable et représente toujours aujourd'hui, deux siècles plus tard, une référence en termes de ce que technologiquement on aimerait réussir à mettre en œuvre dans beaucoup de machines. C'est un cycle théorique qui présente l'efficacité maximale, alors pour deux choses différentes selon le sens dans lequel on va faire les différentes transformations. Soit pour créer un travail grâce au transfert thermique entre deux sources, c'est-à-dire pour un moteur thermodynamique, c'est le cycle qui va nous présenter l'efficacité maximale, ou alors pour transférer de la chaleur depuis une source froide vers une source chaude à l'aide d'un travail, cette fois-ci, c'est le cycle qui aura l'efficacité maximale pour un générateur thermodynamique.